Ah non, on va toucher à refaire. Allez, allez, dans l'axe peut-être, ça faut prendre des risques un peu. Faut la faire à la Gunnarsson, ouais. Il faut la mettre vraiment, très très allez, loin. Il y a Griezmann qui est tout seul. Allez, allez, il faut jouer vite, là, voilà. Ah, on rend le ballon en portugais, mais le ballon va rester français avec Griezmann. Ah non, il y a un coup, mais l'arbitre qui ne siffle rien. Les Portugais sont vraiment en confiance avec Eder. Regardez Eder, regardez ce que fait Eder, il est en train d'écœurer la frappe d'Eder. C'est un poison. Et il l'a montré. Le Portugal pour l'instant est sacré champion d'Europe. Oh, le Portugal qui a su vraiment de la part des Portugais là sur une, deux passes et un coup d'éclair de la part des deux. On le sentait depuis le début de cette seconde mi-temps de prolongation qu'ils étaient vraiment rentrés, notamment au niveau de l'intensité dans les duels. Ils gagnent tous les duels face aux Français. Et là, Eder qui se débarrasse de Koscielny malheureusement. Et qui seul va mettre une grosse frappe. Ah, ouais, lourde frappe de Eder. Il a choisi son côté. Et là, le risque qui met un petit peu trop de temps là pour se défendre. Ouais, malheureusement, ouais, ça fait 1-0 pour le Portugal. Pour l'équipe de France. Pour l'Italie, il restera 12 minutes. Allez, faut y croire. C'est pas terminé.